Bonjour YouTube et bienvenue dans ce 70e, je crois, épisode de Kingdom Come Deliverance. Alors, on a pris un café, on est bien, on est mieux réveillé qu'à la vidéo précédente. J'ai merdé lors de la vidéo précédente, mais je me suis dit, je vais pas tout réenregistrer de la merde. En fait, quand je suis allé voir ton chèque, là, donc le charbonnier qui avait volé des trucs à Scalis, j'ai juste pris l'info comme quoi c'est André qui avait la croix, et je suis allé le dire à Adam Araté, mais en fait ça n'avait pas validé la quête parce qu'il fallait récupérer sur le charbonnier la bourse, donc l'argent qui restait de son méfait. Pour valider la quête. Bon, c'est un peu gogol, mais du coup j'y suis retourné, je l'ai buté direct, j'ai même pas cherché, j'ai pris la thune, j'ai rendu la thune à Adam et ça a validé la quête, Michel. Du coup, bah ça a trigger la fameuse quête, la fameuse dernière quête de Mathieu et Fritz. Enfin, voilà, ils sont en armure, en côte de maille et tout, les mecs, où ils ont eu le Jean Aron, ne sait pas, ces fils de pute. Bien, on va aller leur parler et j'expliquerai après, parce qu'il y a... Je vais détailler parce que c'est une quête très complexe, qui, jusqu'à la 1.4, était extrêmement buggée. Celle-là, oui, il n'y a pas de problème, elle était complètement buggée. Moi je sais que sur le troisième run que j'ai fait, j'ai passé genre 30 heures à réussir à faire ce que je voulais. Ça a été un cauchemar, elle était buggée de ouf dans tous les putains de sens. Donc je vais être obligé de la spoiler en même temps que je la fais pour expliquer, parce que moi je veux faire un truc bien particulier. Il y a 3 résolutions possibles, grosso modo 4 même. Je les expliquerai, et j'expliquerai celle que j'ai déjà fait et celle que je veux faire, puisque c'est la seule que je n'ai pas encore fait. Voilà, bon, on y va et on expliquera ça au fur et à mesure, Michel. Henri, viens me voir. Eh ouais, Michel, alors, on parle à Mathieu, paf. Que Dieu vous protège. Et toi aussi, pas, alors. Dis-moi, qu'est-ce que tu magouilles encore? Eh ben, on a eu une idée. Tu as peut-être entendu que de l'argent va transiter vers la carrière de Thalmberg pour payer les arriérés de salaire aux ouvriers? Non, j'ai jamais entendu parler de ça, donc je veux dire que j'en ai pas entendu parler. Je n'en ai pas du tout entendu parler. Ils leur doivent un trimestre tout entier. Et il y a énormément de carriers qui travaillent là-bas. Donc évidemment, on se doute qu'il va se dire... On va pitcher l'argent des carriers. Bon, on va poser les questions dans l'ordre. Mais ce sera forcément bien gardé, non? Peut-être pas. Si on choisit le bon moment. Et pourquoi ne pas mettre André dans le coup? Il a pas assez de cran pour ça. Il nous a déjà envoyé balader. Ah bon? Comment ça se fait? Aucune idée. Il voulait pas y être mêlé. André n'est pas intéressé? C'est si dangereux que ça? Écoute, si je dois m'impliquer dans cette affaire, tu vas devoir tout me dire. C'est proche de Thalmberg, alors au moindre problème, on pourrait s'attirer de gros ennuis. Mais pense au monte-pièces. Ces gens travaillent pour Sigismond? Ouais, pour Sigismond. Mais je connais Rupert, le maître de carrière. Ces gens-là ne travaillent pas pour Sigismond. Hélas, non. Et tu crois que c'est juste? Voilà ce qu'on est devenu, de vulgaires voleurs. Que veux-tu que je te dise? Regarde-nous bien. Toi, tu te portes plutôt bien. Mais nous, on est dans la merde jusqu'au cou. Mais de là à faire ça... Tu crois sincèrement qu'on est mieux loti qu'à Sasso quand on était au bout du rouleau à la taverne? Oui. Alors t'es un vrai abruti. Depuis Scalis, tout va de mal en pis. Alors pourquoi est-ce que nous devrions payer les pots cassés? Que ces maudits carriers aillent se faire foutre. Bien, alors... je vais lui répondre que je dois commencer par récolter des renseignements. Je vais ni accepter ni refuser pour le moment. Cette quête, il y a...
Il y a deux quêtes en une, en fait. Je vais vous expliquer ça pour ceux qui ne le sauraient pas. On peut accepter, on dit je suis partant. Alors, si on joue Rogue, en général, on va plutôt accepter. Et si on accepte, il nous dit, alors c'est pas compliqué, on va aller voler l'argent directement des mains des gardes qui vont l'amener à la carrière. Et il va nous demander d'essayer de profiter de nos connexions à Thalmberg pour diminuer le nombre de les effectifs. Nous, on va aller à Thalmberg, on va empoisonner les chevaux, on va convaincre le capitaine Robard qu'il y a un autre truc qui se passe ailleurs et que du coup, c'est plutôt là-bas qu'il faut envoyer des effectifs, machin. Du coup, le jour de la transaction, il n'y a que quelques gardes, on les fume, on part avec l'argent. Ça, c'est la possibilité la plus classique et c'est ça ne déborde pas de la quête qu'on est en train de faire. Deuxième possibilité, on refuse, voilà, et puis ça s'arrête là. Troisième possibilité, on va en parler à André. Et André nous dit non, c'est trop dangereux, ils vont trop loin, parle-en au capitaine Robard. Oui, Robard. Et ils vont se faire serrer et ce sera bien fait pour leur gueule. Ça, c'est la troisième possibilité. Quatrième possibilité, on va voir André, il nous dit exactement ça. Et nous, par contre, au lieu d'aller voir directement Robard, on va voir Mathieu et Fritz pour leur dire « André, il complote dans votre dos, machin, nana. » Et à ce moment-là, il y a deux autres possibilités qui s'ouvrent. Faire le coup, accepter de faire le coup et aller dérober l'argent directement dans les coffres de Thalmberg avant même qu'il arrive à la carrière. Donc ça veut dire que Mathieu et Fritz n'ont même pas besoin de se déplacer. On prend l'argent et on le dépose dans la taverne. À ce moment-là, on retourne voir Robard et on dit « André a volé, c'est lui qui a volé l'argent de la carrière, machin. » André se fait pendre. Mais on peut aussi faire la même chose, aller voir Robard et dire c'est André, c'est Mathieu, c'est Fritz. Et à ce moment-là, tout le monde est pendu à l'entrée de la taverne. Il y a aussi la possibilité là de dire je dois commencer par récolter des renseignements, aller chercher l'argent et le filet direct à Mathieu et Fritz. Voilà. Dans la première possibilité, quand on attaque le convoi, on peut accepter de partager l'argent avec Mathieu et Fritz, et à ce moment-là, tout le monde se quitte bons amis, ou on peut refuser de leur donner leur part, et à ce moment-là, ils ne donner qu'une partie de la part, en fait, et à ce moment-là, ils nous attaquent et on les bute. Et est-ce qu'il y a une autre possibilité? Non, là, tout est bon. Donc vous voyez, hein, il y a 5 ou 6 façons de résoudre cette quête, répartie sur 2. Ça veut dire qu'à partir du moment où on ne parle pas du plan à André, ça reste la quête entre le marteau et l'enclume. À partir du moment où on parle à André, ça active une seconde quête qui s'appelle Frère de Potence en français. Gallows Brothers en anglais, la première s'appelle en anglais s'appelle Rocken, je ne sais plus comment. Voilà, donc ça active deux quêtes et on peut faire l'une et l'autre. Hein. C'est pas parce qu'on parle André qu'on peut plus faire la première solution, etc. Moi, j'ai déjà fait Gallows Brothers. C'est celle-là que j'ai mis 30 heures peut-être à réussir. Donc ça consiste à aller balancer à Robard que tout ce petit monde, André, Mathieu, Fritz, chercher à voler l'argent, avait volé l'argent, puisque c'est moi. J'avais été voler l'argent moi-même, je l'ai planqué dans la taverne, Robard est arrivé, il a pas fait de détails, il a pendu tout le monde. Ça, c'est celle qui permet d'avoir le succès traître. Et elle est bien fun cette fin-là, mais elle est vraiment très difficile à obtenir, enfin à l'époque quand la quête n'était pas patchée. J'ai aussi fait la version rogue, c'est-à-dire on accepte, on y va, on pique de l'argent sur les mecs, on empoisonne les chevaux, on dit avec l'aide d'une herboriste, et on dit à Robard de diminuer les effectifs. Nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va roleplay toujours hein, dans le. Alors évidemment, comme j'ai déjà expliqué, Henri n'est pas un saint, mais pas du tout. Évidemment, on l'a vu hein, sur des coups de sang, il peut tuer des gens.
notamment quand on lui pique son couement. Là, il faut réfléchir. Depuis le début, Henri, il veut progresser sur l'échelle sociale, il veut machin. Surtout que là, on a... non, pas encore. Il veut progresser sur l'échelle sociale. Et donc, tout ce qu'il veut, lui, c'est servir Radzig, Anouche et Divish. Et il accepterait jamais de voler l'argent de la carrière, même si Sir Rupert nous a bien baisé la gueule, je vous le rappelle. En aucun cas, il acceptera de voler l'argent de la carrière. C'est l'argent de Divish. L'argent de la carrière, c'est l'argent de Thalberg. Non, ça, c'est non. Il acceptera pas un truc pareil. Mais en même temps, c'est ses amis. Et on peut comprendre que... Il est probablement conscient que ses amis sont vraiment... De mauvaise fréquentation, il ouvre enfin les yeux sur ces deux putains de branleurs qui n'arrêtent pas de rejeter sur tout le monde le fait que ce soit des losers notoires. Et alors, c'est peut-être la discussion avec André qui va le décider. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller balancer à Robart que y a des mecs qui vont voler le butin, et on va aller profiter de la bagarre, on va faire ça. Mais je vais lui dire que je dois commencer par récolter des renseignements. J'aimerais d'abord aller me renseigner. D'accord, si tu le dis. Voilà, bien sûr. On va terminer le dialogue, et on va aller voir André. J'ai toujours ma hallebarde, Michel. Oui, en allant buter le charbonnier, je me suis frité à la hallebarde. Pourquoi j'ai ça de... Oui, j'ai mal bas. Je me suis frité avec des mecs dans la forêt. Alors, le fait de pas avoir de garde ou de pari, c'est assez bizarre. Par contre, la portée du machin... En fait, il suffit de se mettre loin des mecs. Et on recule. Et quand on voit qu'ils vont bouger, blah, on met un coup d'estoc. Ça part à la vitesse de la lumière. Ça one-shot pratiquement tout. Et derrière, on a juste à mettre un coup de taille avec. Et c'est terminé. Ça fait des dégâts hallucinant, la hallebarde. Mais on peut pas se protéger. Mais ça doit être rigolo, on va essayer un petit peu. Et quand si on voit que ça tourne marron, on sort Saint-Georges, hein. Ou la Stinger. On essaiera un petit peu de Stinger avant la fin du jeu. Bon, parlons à André. J'espère pouvoir vous dispenser mes armes. Tout à fait. Ah oui, et on a recruté Adam à Pribislavis. Parce que je veux pas d'André. C'est un connard. Je veux sûrement pas ce mec-là dans mon village. Mathieu m'a parlé de son plan. Tu parles de la carrière ? Bon sang, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Et ça ne te dit rien qui vaille ? Non, c'est trop gros et à la vue de tous. Si le moindre truc venait à mal tourner, ils seraient tous foutus. De même que toi et moi, hein ? Même si on n'a rien à voir là-dedans. Mais cet argent représente les salaires de l'ensemble des carriers pour un trimestre entier. Ça vaut pas le coup ? Non, c'est bien trop dangereux. Bon Dieu, mais pourquoi courir ce risque ? Mathieu a l'impression de ne pas pouvoir se faire d'argent autrement. C'est pas ma faute si Mathieu est un bon à rien. C'est son problème. Je lui donnerai pas tort sur ce plan-là. Le Mathieu, c'est vraiment une tête brûlée. Il est con comme ses pieds. Et le problème, c'est qu'il est soutenu par cet abruti de Fritz qui, lui, est vraiment un demi-mongolien, putain. Et du coup, le mec valide tout ce que l'autre fait. C'est vraiment des pieds nickelés, les deux. Vraiment des branques. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu proposes ? Mathieu et Fritz se semblent déjà décidés. Tu devrais aller avertir le commandant de la garnison de Thalberg qu'un vol va avoir lieu. Dis-lui d'envoyer ses meilleurs hommes. Quand ces deux abrutis verront l'effectif dont ils disposent, avec un peu de chance, ils changeront d'avis. Et s'ils décident de passer quand même à l'action ? Ouais, et ben alors ils vont passer un sale moment. Ce sont mes vieux camarades. Tu m'en demandes trop. Je sais, mais bon Dieu, regarde ce qu'ils prévoient de faire. Ces carriers sont d'honnêtes gens qui n'ont jamais fait de mal à personne. Marque un point, André. Et voilà, on a démarré la quête frère de potence. Alors, voyons voir ce qu'on a comme quête. On n'a pas déclenché la quête entre marteau et l'enclume. On va aller la déclencher. On va dire qu'on va accepter pour faire genre. Je vais sûrement pas lui dire qu'André veut le trahir. Au sujet de la mission.
Je vais dire que je suis partant. Je suis partant. Merveilleux. Mais avant de nous mettre au travail, il va nous falloir plus d'informations. On va aller discrètement jeter un œil à la carrière. Pendant ce temps-là, toi, tu vas à Thalmberg pour essayer de savoir quand l'argent arrive. Et essayer de découvrir qui sont ceux qui vont le surveiller. Voire mieux, si tu parviens à faire en sorte qu'il y ait le moins de gardes possible, ben... Enfin, tu m'as compris. Voilà, bon. Alors on va essayer de pas la rater, elle est vraiment très compliquée celle-là. Entre le marteau et l'enclume, découvrir la date du transport de l'argent entre Thalmberg et la carrière. On va commencer par ça pour savoir, leur balancer et derrière on balance tout à Robard. Parce que je crois qu'il faut Trieur, Mathieu et Fritz, il faut qu'ils se barrent de la taverne pour... pour que Robard puisse les choper. Donc on va y aller. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis si ça foire, eh ben je recommencerai la vidéo. Hein. Je suis transparent avec toi, YouTube. Je vais absolument la réussir, cette quête. Donc, on va y aller. Oui, là, il faut se débarrasser de ces deux connards. C'est vraiment des poids morts. Oui, me aussi, bien sûr. Oui, c'est pas très... C'est ses potes d'enfance et tout ce que tu veux, mais... Les mecs, c'est vraiment trop des bras cassés. Et Henri peut pas se permettre de squattiner ces deux Mongoliens. Il a fait tout ce qu'il a pu pour eux. Il leur a trouvé du boulot, ils ont foiré. Il les a aidés, ils ont tout foiré. Voilà, au bout d'un moment, c'est pas leur daron. Ça va bien, les conneries, et... Et il a rien à gagner à entuber Divish et Robard et les gens de Thalmberg. Et puis si ça venait à se savoir ou quoi que ce soit, il perdrait absolument tout. Non, non, il jouera pas sur ce tableau-là, tant pis. Il va aller tout balancer à Robard dans l'espoir que ça dissuade, que ça fasse une grosse frayeur à Mathieu et Fritz. Même si nous, on sait qu'évidemment, leur sort sera un peu plus funeste que ça. Et puis il est hors de question de voler de toute façon, mon dieu. En tout cas sur ce run, évidemment. Si on jouait Rogue, on s'en priverait pas. Hein. Michel, tu veux bien monter cette barrière de ses morts. Par là, voilà. Oh là là, mais je fais que de la merde. Remets-toi dans la gueule. Bon. On est comment niveau bouffe et compagnie, là? On est pas ouf. Hein. On va aller au bain si c'est encore ouvert. Ça fera une petite sauvegarde en plus de ça. Je me trimballe avec ma hallebarde là. C'est très mal vu la hallebarde, hein. Attention. Les gens sont pas contents quand ils me voient avec ça. Il y a un mode hein, pour. Pourquoi pour l'équiper dans le. Et même avoir le style apparent. Bon. Je te souhaite une bonne santé. Peut-être que je le mettrai, je sais pas. Ouais, bon. J'ai. Bon. Hashtag. Je pense à bientôt. Hop, comme ça, sauvegarde, on est full tout. On va déposer la hallebarde à l'entrée de. À côté de notre cheval. C'est ce qu'on va faire. On pose notre cheval quelque part, là où on est sûr, il faut bien y penser. On pose la hallebarde à côté, quand on s'en sert pas évidemment, hein, quand on est sûr de pas aller à la filoche comme ça, avant de partir, on récupère la hallebarde. Alors on va pas allumer la lumière de suite. On va monter. Et voilà, Michel. Stack. Marche arrière, marche arrière, voilà. Il est peut-être un peu tard hein, pour aller à Thalmberg, mais on va le faire quand même. Ah, les montes là, voilà. Qu'est-ce que c'était ? Mais c'est rien, t'inquiète. On va aller dans la cour. Voilà, on se met juste devant le puits, tac, et on va allumer notre torche, ça va déséquiper la hallebarde. Voilà, la hallebarde est donc ici, et elle bougera pas, hein. Des fois on est un peu emmerdé pour la reprendre et tout, mais voilà. D'accord, alors qu'il faut demander voyons voir, on va parler aux gens qu'on trouve, hein. On peut pas te parler à toi. Le palefrenier, il est parti où, ce fils de pute?
parler aux gardes peut-être, on peut pas, hein, non. Non bah on va monter parler à... à Divish et compagnie. Tout le monde dort. Très bien. Il y a le... le chambellan là, c'est mort, ok. Allons voir dans les quartiers. Vous devez être en train de prier, non? On va demander à Divish, on peut pas lui parler. Non, non, c'est manifestement à Robart qu'il faut parler. Hein. Il y a le villageois là. Ouais. Très bien. Ça c'est des villageois de leur mort. Il est où ce putain de Robart? Il doit dormir dans la... Écoute Michel, ce que je propose c'est qu'on dorme. Et puis on verra bien demain matin. Voilà, casse-toi. Qu'est-ce hop. Que c'était que ça? Non, bon, on va dormir Michel, t'inquiète. On va dormir jusqu'au lendemain matin, c'est quand même plus sûr. Alors je vais essayer de la faire en une seule vidéo cette quête, comme ça c'est réglé. Et si elle doit faire une heure et demie, et ben elle fera une heure et demie Michel, qu'est-ce que je te dis. Voilà, parce que derrière ça, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, me semble-t-il, on ne fera plus que la quête principale et les quêtes secondaires rattachées directement aux événements de la quête principale. Il reste une seule quête secondaire, mais elle est très très tard dans le jeu. On verra ça à ce moment-là. On peut ranger la torche. Notre hallebarde est toujours là, notre cheval aussi. Bien, qui on peut... Ah, le palefrenier. Que Dieu vous protège. Que puis-je faire pour vous? Je vais demander s'il y a des soucis avec Maître les chevaux. Maître palefrenier, on dirait que vous avez avalé une guêpe. Ça ne va pas? Qu'est-ce que vous croyez? J'ai trois chevaux qui ont des foutues coliques. Ce n'est pas si grave que ça. Vous devez garder les chevaux bien au chaud et les masser avec de la paille, en insistant sur le ventre ah et merde, sur les quel flancs. Con, oh là ça là va là leur soulager l'estomac. Donnez-leur de l'eau propre, changez souvent leur paille et laissez-leur de la place pour qu'ils puissent s'y rouler dedans. Et emmenez-les en balade de temps en temps, mais à leur propre rythme. Ne les forcez surtout pas. Ils devraient être rétablis d'ici une semaine. Ça fait des années que je m'occupe de chevaux, mais j'ignorais qu'il fallait les masser avec de la paille en cas de colique. Merci pour votre aide. Je suis connu de toutes les écuries de la région et je vais vous recommander à tout le monde. Le problème, c'est que le capitaine Robart a besoin de 4 chevaux pour une escorte vers la carrière. Et ils ne seront pas rétablis d'ici là. Surtout pas celui-ci. À la carrière? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ignore. Mais une livraison sous escorte? J'imagine qu'ils transportent quelque chose de précieux. Quand est-ce qu'ils auront besoin des chevaux? Nous avons encore du temps. Ils sont censés arriver là-bas dans 5 jours, vers midi. Navré de ne pas pouvoir vous aider. Ne vous en faites pas. Je vais prendre bien soin de ces bêtes. Je vais juste devoir endurer le savon du capitaine. Au revoir. Voilà. On sait ce qu'on voulait savoir. Alors maintenant, est-ce qu'on va avertir Robart tout de suite? Ou est-ce qu'on attend On va aller informer Mathieu d'abord. Et une fois qu'on l'aura informé, on ira parler à Robart. On va faire ça en cet ordre-là. Et puis si jamais sa merde, écoute Michel, on a des sauvegardes, on reloadera. On reloadera, pardon, excuse-moi. J'ai pris ma hallebarde. Tadiada, tadiada. Hop. Et on retourne à l'auberge pour informer Mathieu de ça. Alors évidemment on va pas empoisonner les chevaux et on va pas... parce que nous on n'a pas intention de voler quoi que ce soit, on est pété de thunes. Ce qui me fait marrer c'est que... Bon ça c'est toujours pareil dans les jeux. Mais ça serait pas mal. Mais ça va peut-être venir avec les... Tout ce qui est Red Dead Redemption 2... et Cyberpunk, c'est ce que j'expliquais notamment dans
dans le let's play de The Witcher 3 et un peu aussi dans Kingdom Come, probablement dans les autres séries que j'ai fait. Et ça concerne pas que les RPG, ça concerne la narration plus globalement. Je pense qu'on va aller vers un toujours plus de réalisme dans le comportement des NPC, dans les cutscenes, dans leurs réactions. Et là par exemple, Mathieu et Fritz, ils sont en galère, moi j'ai évolué, je suis pété de thunes. Ils ont besoin d'argent, pourquoi je peux pas leur donner de l'argent? C'est mes amis d'enfance, etc. Et ça leur éviterait de se foutre dans la merde. Alors c'est un peu basique comme réaction, mais c'est dommage que ce ne soit pas possible. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aller vers plus de... La simplicité, c'est du game design aussi. Et ça pourrait être bien d'avoir la possibilité de dire au mec, mais t'as pas besoin d'aller faire le merdier, regarde, moi j'ai de l'argent, je suis pété de thunes. Tu vas voler 3000 gros chênes, tiens, voilà tes 3000 gros chênes et arrêtez de faire les cons, quoi. Ah, vas-y, on va se tenter ça, on a une hallebarde de mort, hop. Bassinet courbé, veste de combat, shtac, on se prend Aqua Vitalis, on va se prendre du lard fumé, on peut bouffer tout ce qu'on veut, en plus on s'en fout. On est immortel. Et on va se prendre aussi une potion d'endurance aussi. On va pas mettre de poison sur la lame, c'est plus cher. Et puis elle est suffisamment pétée comme ça. Merde! Laisse-moi! Ch'tac! Ah, ils sont barrés, j'ai pris des potions pour rien. Oh là là, ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut pas courir avec l'albar. Ah, fais chier putain. T'avais quoi sur toi? Moi je prends plus rien qui coûte pas une blinde. Ah, les gros chênes par contre bien sûr. Le pain je le prends aussi. Ah, t'as tué de la merde. C'est d'une violence l'albar, mon dieu. Par contre faut... Parce que ça tue très vite, hein. Ça one shot quasiment à chaque fois. Ah putain, j'ai gâché les potions, ils se sont barrés dans les bois, oh là là. Eh ben tant pis. Ah, j'ai gâché... J'ai gâché des potions pour rien, là, là. On peut réparer la hallebarde. Oui, on peut réparer. On doit pouvoir sans doute les diser aussi. On ira faire ça. Hein. Je suis assez craqué hein, par la hallebarde. Ah 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 ah. Mes prières sont exaucées. Ah, c'est d'une violence. Michel, Philippe, je sais où tu te caches, enculé. Ah, je le rattraperai jamais, putain. On va y aller à cheval, on va lui mettre des coups de hallebarde à cheval, Michel. Bonjour. Et tac. Ah, c'est beau, hein. Ah, la hallebarde, on est content, hein. Oh putain, c'est tellement stylé. Ah là là. Et en fait, ce qui est en fait juste un manque de temps, ils ont pas pu créer les combos pour la hallebarde et tout, peut-être dans une future match, ça serait stylé d'ailleurs, mais du coup ils en ont fait un objet que tu portes à part et finalement ça se comprend parce que c'est tellement puissant que bah ils se sont dit les mecs ils peuvent pas l'équiper, en plus c'est assez gros, hein, c'est à deux mains évidemment, tu peux pas mettre ça en ton dos, mais à cheval ça a l'air radical en plus. Il y a un côté un peu réaliste dans le truc, tu te trimbales avec ta hallebarde et t'es obligé de la poser. Bah c'est pas mal quoi. Alors chapelle, ouais ça coûte cher, ça on va le prendre. Ouais sinon, ah t'as un grand bison teint, on va le prendre, il est joli. Combien de charisme? 13, hein, il est peut-être mieux que le mien d'ailleurs. Le mien il a combien de charisme? Ah mais il est mieux que le mien en fait. Bah écoute, on te le prend ça. Tac, on va les gros chênes bien sûr.
Ouais, non, ça... On peut pas... Je pense pas qu'on puisse le réparer, malheureusement, par contre. Nécessaire de tailleur... ouais, il est en dessous de 50, on peut pas. Ça, c'est un peu con, Michel. Voilà. Comme ça, je le vendrai plus cher. Ouais, ouais. Parfait. Hop. Monte sur le colonel. Ah, c'est bien là, Albarde. Par contre, faut pas se faire prendre en sandwich et faut tomber les mecs rapidement parce qu'on peut pas défendre avec ça. Voilà, c'est un peu con. Bon, il est où le Mathieu de ses morts là? Ah merde, il est déjà à la carrière. Oh là 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 là. Putain, merde. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, je pensais que le jeu était encore bugué. Du coup, fallait les... Et non, ils sont bien bougés à la carrière. Bon, bon, on y retourne. Hein. Ah, c'est pas grave. On a le temps, Michel. T'es sur YouTube. Alors, si tu te gonfles, tu peux avancer. On se promène, on kiffe. Ce qu'il me faudrait, c'est une meule pour aiguiser ce merdier. Il y a l'air d'un... Non, il y en a pas là. Il y en a pas à Thalberg. Il y a un truc pour aiguiser. Hein. Ah, non. On va passer par le moulin en fait parce qu'il y a une gonzesse qu'on peut recruter, la sœur de Timmy. Qu'on a odieusement assassiné, enfin c'est pas vraiment nous même si on avait mis le coup de grâce. Putain, je suis vraiment chauffé par le par la hallebarde, Michel. Et apparemment là j'ai réussi à uploader 3 vidéos d'affilée en UWQHD, plus de problème, j'espère que ça va se maintenir. Il y a eu peut-être YouTube hein, qui a déconné pendant 6 ou 7 épisodes, ou moi qui n'ai pas fait comme il fallait lors de l'upload. Pourtant j'ai toujours fait comme d'habitude, avec les mêmes fichiers, les mêmes formats, tout pareil comme d'hab. Ah, et puis ça reste en 1080p, je vais pas me faire chier à uploader. De toute façon, dès que c'est uploadé, je dégage tout, donc c'est fini. Bon bah tant pis. Ah, tant pis, ça me fait un peu chier quand même qu'il y ait des épisodes en 1080p max, mais bon... Elle est où la connasse? Cherchez quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Ah, elle est là, Myrtia. Si tu veux mon avis, une jolie jeune femme comme toi n'a pas sa place dans un moulin. Que dirais-tu de devenir serveuse plutôt? Je possède une petite taverne à Pribislavis qui a tout pour elle, sauf une touche féminine. Oui, ce serait agréable de travailler avec un peu de monde autour. La seule compagnie que j'ai ici pour faire un brin de causette, c'est des sacs de farine. Ça me dirait bien d'être serveuse dans ta taverne. C'est juste pour servir les boissons, hein. Rien de vulgaire. Ne t'inquiète pas, si un ivrogne te touche les fesses, en tant que bailli, je te donne l'autorisation de lui verser sa bière sur la tête. Ça me va. Je vais régler mes affaires ici et je vais me mettre en route. Prenez soin de vous. Hé, hey, remettez votre arme à la ceinture avant qu'un garde nous... Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, Michel, c'est fait. On pourra passer un coup à un de ces jours à Pribislavis. Bah quand on aura fini la quête de Mathieu et Fritz et avant d'entamer la quête principale, on retournera à Pribislavis voir si on peut pas réparer le merdier qu'on a causé. En foutant plutôt une écurie à la place du corps de garde et un forgeron à la place de l'armurier. Ou inversement, je sais plus. Bref. Ça me chiffonne un peu, mais bon. Ah, c'est pas grave. Pareil qu'il y a des chevaux en plus si tu prends les tueries, putain, ah là là. Mais s'ils ont pas pensé à pouvoir virer un bâtiment pour en reconstruire un autre, là je suis pas content, Michel. Ils sont allés à la carrière, l'autre gogol, hein. Je crois qu'il doit être en haut, quelque chose comme ça. Voilà, il est où? Voilà. Il est au-dessus apparemment. Hein. Ok, donc on va monter là. Okay. Et une route, je crois. Hein. Là, je sais même pas qui c'est qui habite là, mais je crois que je suis jamais venu ici. Hein. Pas le souvenir. Hein. Je sais pas. Hein. Bon. Continuons par là. Ah,
Ah mais c'est un putain de raccourci pour... Ok, j'ai compris, d'accord. D'accord. Donc il est où? Ah, il est au niveau de la maison, je suis déjà allé trop loin, Michel. Ok. Tac. Alors, elle est où la Nbaté? Peut-être dans le coin là, non? Voilà, on descend complètement à la carrière. Il est au-dessus de la baraque là. Il doit être là là. Je dis pas qu'il a déjà bugué le Gemu, qui sait pas où il est. Oh là là. Là je suis en train de faire une connerie, Michel. Évidemment. Bon bah redescends. Oh là là, je suis bloqué. Mais non, oh là là. Ouais. J'suis obligé de redescendre, je vais me tuer bien sûr, oh là là. Descendre de la montagne en armure de plaque. Oh mais il est évidemment au-dessus, c'est sûr. Il est là. Ah oui, il est au-dessus, c'est sûr. Il est au-dessus de la baraque. Ah, il est au-dessus, là. Juste au-dessus. Il doit être là, là. Ok, on va remonter. On va bien réussir à le trouver, ce fils de pute. Ah, si tu me dis qu'il faut que je retourne à la taverne le temps qu'il arrive, mais... Bon. Alors, alors voilà. Ah bah ils sont là, oh le mongol. Bien. Salutations, noble chevalier. En quoi puis-je vous servir? Alors, tac. Voilà. Bien. Tu sais quand ils vont arriver? Oui, je sais tout. Dans 5 jours, il devra arriver vers midi. Il nous reste encore du temps. Et est-ce que tu sais combien ils seront? Je l'ignore. Ça pourrait s'avérer trop risqué. Tu crois pas qu'on manque d'informations? Tu as peut-être raison. Dans tous les cas, tenez-vous prêts. Alors, qu'as-tu découvert? Rien de nouveau. Mais va pas croire qu'on est resté sans rien faire pendant que tu te baladais dans Thalmberg. C'est toujours à moi de tout faire, pendant que vous êtes là, à vous griller des saucisses autour d'un feu de camp. Comme si tu n'allais pas profiter de l'argent. Leur chef est strict. Je crois pas qu'il va réduire ses effectifs, même si l'argent arrive à destination. Si l'argent est bel et bien là à midi, il va le laisser sous la protection des gardes de Thalmberg, en le déposant probablement dans le cabanon en bordure de la carrière. Mais je ne pense pas que les gardes vont rester là sans rien faire toute la journée. Avec un peu de chance, certains finiront par s'éclipser. Ouais, c'est probable. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Il va falloir qu'on fasse preuve de patience et de prudence. Et ce, même si l'argent est à portée de main. Et ensuite, soit on les charge, soit on essaie de le voler discrètement. Bon, il ne reste plus qu'à attendre leur arrivée. Tu vas attendre avec nous? Non, je reviendrai une fois qu'ils seront repartis. Prenez soin de vous. Tac, on n'a plus qu'à aller voir Robard, on balance, on revient là, on attend avec eux et on profite du spectacle, Michel. Bon, ils ont bien corrigé la quête. Ils ont beaucoup corrigé la quête, c'est beaucoup moins chiant qu'avant.
je vérifie, tu as la quête, frère de potence, voilà. On est bon, Michel, on est bon. Ah ben, dis donc. Quand je repense à la galère que c'était, cette quête, oh là là. Pour quelle version que ce soit, d'ailleurs, enfin, quel que soit le choix, les choix qu'on faisait. Par où on passe, oh putain. De pas sauter, là, Michel, non. Bon, bah, remonte. Remonte, hein. Voilà. Oui, bah, descend par là, y'a pas le choix. Bah non, on va descendre par là-bas. Yeah. Hop. Eh oui. Hop. On va aller voir Robard. On va déséquiper notre hallebarde. Non, on peut pas. Bah, ouvre la torche. Oh. Tac. On n'oubliera pas de la reprendre, elle est à côté du choual. Bonne journée, Henri. Et on balance tout à Robard. Mes humbles salutations. Qu'y a-t-il pour votre service? Un vol de la carrière est en projet. La carrière? Dis-moi tout ce que tu sais. Ils attendent que vous arriviez avec l'argent qui est dû au carrier. Quoi? Comment peuvent-ils savoir pour l'argent? Je l'ignore, mais ils ne vont pas faire semblant. Ils n'ont aucun respect envers quiconque. Je vous conseille d'envoyer vos meilleurs hommes. Henri, j'ai vraiment du mal à comprendre. Mais je vais rassembler mes hommes. S'il s'agit d'une mauvaise blague, tu le regretteras. J'ai bien peur que non. Prenez soin de vous. Tac, il n'y a plus qu'à retourner avec les deux autres connards. Vérifions que la quête est bien. Voilà. Aller à la carrière, assister au vol, et voilà. Hop. On y va, Michel. Alors j'espère qu'ils ont pensé à un truc, parce qu'il y a 5 jours à attendre, alors j'espère qu'ils ont mis un truc genre attendre et hop, on est bon, hein, parce que sinon, oulala. Sinon c'est l'enfer. Donc on va plutôt aller de l'autre côté, ch'tac, et dans la flotte, bien joué Michel. Voilà, hop. J'ai oublié ma hallebarde, Michel, putain, oh là là. Et vu comment c'est pas si simple à trouver que ça, on va pas... Ah, le mec, il a oublié sa hallebarde, ah, putain. Ah, j'espère que le jeu me l'a pas squeezé, là, parce que... Je serais pas content, putain. Ah, le connard. Elle est là. Hop. Ah, c'est ma hallebarde. J'en ai rien à foutre. Moi, je m'embrouille avec tous les mecs de la Terre, hein, s'il faut. J'en ai rien à carrer. Putain, mais j'imagine tu fous du poison là-dessus en plus. Oh, l'enfer, putain. Tu one-shot tout avec cette cam. Elle fait 100 de dégâts des stocks, plus l'autre scaling sur la force, et puis on va la l'aiguiser, donc elle va péter les équipements, elle fera 15% de dégâts supplémentaires, enfin elle fera des dégâts supplémentaires, plutôt 10% d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'elle va faire quelque chose comme sans le casque, 115 easy, on enlève 15%, elle doit faire 103, 105, 106 avec full, ce qui est beaucoup, hein. C'est énorme, hein. C'est plus que... C'est fort. Alors, on doit aller dans la à côté des baraques là. Ok. Ah, on est là. Ah, il y a pas un truc pour attendre, Michel. On va descendre. J'ai envie de faire une sauvegarde et d'aller voir les deux autres connards là. Voilà, parce que...
je sais pas si... Mais ce que j'ai peur, c'est qu'en allant attendre avec eux, ils considèrent que... Je suis avec eux, je sais pas, on va voir. Parce que attendre 5 jours comme ça... de la merde, Michel. Oui, on est déjà à 45 minutes, mais j'ai prévenu, on va faire la quête d'une traite. Comme ça, c'est fait, c'est soldé, derrière, on peut... faire la quête principale, tranquillement. C'est la dernière quête secondaire qui nous reste à faire dans le DMU. On les aura toutes faites, je vous dis, il y en a aussi une encore. Mais elle ne se déclenche que lors du dernier gros pan de l'histoire. Merde, c'est là-bas. Je vais aller trop loin, je crois. Ouais, ils sont là-bas, les deux connards, avec leurs chevaux. Hop là, bon, on a sauvegardé de l'autre côté, comme ça on est tranquille. On appelle le cheval ici, parce qu'on si on doit se barrer rapidement, voilà. Bon. Je préfère patienter ici avec toi jusqu'à ce qu'ils amènent l'argent. Je t'en prie, c'est pas la place qui manque. Au revoir. Tac. Bon bah voilà. Oui, c'est mieux. Si ça permet d'aller quand les mecs arrivent de l'autre côté de la rivière du ruisseau là. Et... J'espère qu'il va pas me baiser tout mon. Non, je pense pas qu'il me baise. Non, parce qu'il me marque pas l'énergie le... et la bouffe. Je pense que c'est prévu pour. Et puis quand les mecs arriveront, eux ils iront se placer. Nous on ira profiter du spectacle. C'est un sacré coup de pute hein, qu'on leur fait quand même. Ah, ils l'ont bien cherché, voler l'argent des terriers qui ont rien demandé. Alors que les mecs, ils avaient juste dit ouais, on va piquer l'argent des. 3h du mat, Michel. Ils sont déjà en chemin, donc je vais aller. Je vais aller de l'autre côté. Et je veux pas mettre mes... Ah putain, j'espère que je vais rien rater. Qu'est-ce que c'était? Que se passe-t-il ici? Hé hey. Ah, je crois que j'ai tout fait merder, Michel. Ah non, moi je veux pas les attaquer, moi. Moi je me taille les mecs, tiens, je veux rien à foutre. Faut que j'aille là-bas. Hein. Ah mais ils arrivent en pleine nuit les mecs aussi. Ils sont où les deux autres connards? Ah là là, j'ai peut-être merdé quelque part, Michel. Ah, en plus, on est de nuit. Oh là là, quelle galère. Il devait arriver à midi, je le rappelle. D'accord, j'ai pas le droit d'être là. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir, Michel. J'irai bien casser la croûte. Ah, j'ai pas mangé, oh là là. Qu'est-ce que je fais là? Ah, elle est toujours chiante quand même, cette quête, même si elle bug plus. Ah là là, c'est chiant. Ah, c'est rien, moi je suis là, j'ai rien à voir avec quoi que ce soit. Ils sont où les deux autres zigoto là? Voilà. C'est pas moi, c'est pas moi. Je
Ouais. Je vais recharger. Hein. J'ai pas prendre. Je vais pas aller attendre avec eux. Je vais attendre les 4 jours à côté des bains. Et voilà. Hop. Sur ma hallebarde, oui. Hop. Parce que je pense que c'était pas le bon plan ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce qu'il me dit très exactement? Lis les quêtes, Michel. Assister au vol, très bien. Attendre que l'argent arrive à la carrière. Donc, il nous a dit 5 jours avant midi. Il est midi, très exactement. On va aller au bain. Et on va attendre 5 jours depuis les bains. Enfin, 4 jours pour avoir le temps d'être tranquille. Ouais, ça me semble être le plus intelligent à faire. Yeah. Bah non, je vais attendre. Je vais attendre jusqu'au lendemain 8h. On peut attendre. On peut pas détendre plus qu'un jour. On va attendre un jour déjà. Hashtag. Donc un jour. Sachant qu'on venait de voir Robard et il y avait 5 jours à passer. Donc là on en est à 1. On en sera à 1 quand ce sera fini. On fera 1 le bain, puis 2 jours le bain, 3 jours le bain, 4 jours le bain et on ira à la carrière. On va faire ça comme ça. Ce serait bien que ça soit le jour, Michel. Voilà, 4 jours. Je vais mettre cette arme à l'abri. Non, je mets l'arme nulle part. Ta gueule, hop. Que Dieu vous... Oh, c'est reparti. Oh. Je ferais mieux d'aller me caler l'estomac. Non, c'est bon, t'inquiète, t'es full désormais. Voilà, on va faire pour le lendemain, 8h, quelque chose comme ça. Regardez où vous allez. Voilà. Donc, un jour, on va faire 2 jours en allant jusqu'à 8h. Donc il restera 3 jours. Compliqué cette quête. Hein. Il aurait dû simplifier, mettre un point à côté de la carrière quand on attend, attendre 5 jours comme la même chose de l'autre côté, faire une cutscene, c'était beaucoup plus simple. Franchement. Tac. Donc on a attendu 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce qui vous intéresse? Oui. Hop, tchac, bim bim. Hop. Voilà. Rengainez cette arme avant qu'un garde ne la remarque. Je rengaine ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Hop, on attend donc jusqu'à 8h aussi, très bien, ouais. Tac. Et donc là, normalement, il va rester 2 jours. Si je dis pas de bêtises. Ah, ça va faire un épisode d'une heure et quart, je le sens bien. Mais je préfère prendre le temps de faire ça à peu près correctement. Voilà, 2 jours. Ah, on va attendre 1 heure de plus. Paf. Hop. Je souhaiterais... Et qu'est-ce qu'il vous... Il paraît que... Je pense que...
Voilà. Et plus qu'un jour à attendre, et puis on va aller attendre une seule journée à l'intérieur, ça sera déjà bien. Alors, c'était pas trop con, YouTube, t'as avancé jusqu'à ce qu'il y ait de l'action, évidemment. L'amour du ciel, Henri, range cette arme. Tu ne peux pas te promener avec... Si, je le peux, je fais ce que je veux. Donc, il est... Voilà. On va attendre un jour de plus, on va... Ouais, pour attendre moins longtemps, on va attendre... voilà. Comme ça. À 11h, ça va nous faire du 15h, on aura beaucoup moins de temps à attendre. Je pense... arriver sur place. J'aurais vraiment dû mettre un truc genre on attend. Puis là c'est tombé en pleine nuit en plus, tu vois rien Michel. Voilà, c'est demain. Hop, on va au bain. À bientôt. Voilà. C'est reparti. Je ferais mieux d'aller me caler l'estomac. Ça, il s'est mis bien pendant 4 jours, il a passé son temps à baiser, il est bien à manger, à baiser. Ah là, il est repu. Il va pouvoir aller voir ses amis d'enfance se faire éclater par la garde de Thalberg. Voilà, 15h, c'est bien. Comme ça, ça laisse pas longtemps attendre. Profiter du spectacle. Stack. Voilà. Bon, allez, on est part. On fera une petite sauvegarde rapide, un coup de schnapps. J'ai toujours ma hallebarde, oui, tout va bien. Hop. On va voir le journal de quête, ce qu'il raconte. Entre le marteau et l'enclume, il doit rester une journée, ouais. Faut mettre le... Voilà. Peut-être demain midi. On y va, Michel. Hein. Yeah. Hop. Alors, on est arrivé sur place. Écoute, on va sauvegarder là. Hop, sauvegarde, on est bon. Tac, là on est bon, on est sauvegardé, c'est demain à midi. Écoute, on va tenter jusqu'à demain 11h. Ouais, 11h comme ça, voilà. Allez, tac, c'est parti, voyons voir ce que ça donne. Ça met la musique d'ambiance, donc ça se passe vraiment durant la nuit, c'est bizarre ça. Est-ce qu'il voulait pas dire demain minuit ? Et vous, vous allez avoir affaire à moi. Ah voilà, Mathieu et Fritz sont en train de se faire fumer. Prenez les armes ! Ramenez-vous ! J'ai posé ma hallebarde. Et ils se font fumer la gueule. Aux armes. Par ici, vite. Ouais. On peut mettre un coup, nous, ou pas? Et voilà. Ils sont morts. Il y en a un qui est mort. Hey, qu'est-ce que à quoi vous jouez, bordel? Si vous ne déguerpissez pas rapidement, vous allez vite le regretter. Merde, j'ai raté l'objectif, putain, oh là là. On va charger celle-là, évidemment. Putain, donc j'ai dû... faut que je me mette plus en retrait, là où... Ouais. Donc je suis là, j'ai mon cheval là. Là, j'ai le droit d'être là, Michel. Hein. On va voir.
Ah là, on peut tout voir, hein, de là. Et on n'est pas dans le camp, donc a priori, on est bon, là. Bon, bah, on est reparti pour un tour. On va mettre 8 heures du mat. Voilà. Pour voir arriver les mecs. Ouais, 5 heures du mat, ça commence. Vas-y, on va annuler là, voir. Ils arrivent là. Un cochon qui se rend à l'abattoir. J'aperçois un ennemi. Par ici. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Vite. Alerte. Attention. Allez, du cours après. L'alerte. Attention, le tout puissant, là-bas. Un brigand. Ils l'ont rattrapé. Cours après le mec. Allons voir ça. Ah, ils sont à Tatooine déjà. Là, là. Oh là là. Donc, faudrait arriver avant 8h, hein, faire ça vers 6 ou 7. À 5h du mat, a priori, ouais. Ah, ils ont l'air d'être morts. Ouais, ça rate ça, putain. Oh là là. Ah non, si, c'est bon. Ah si, ils ont réussi leur... Ah, ils sont pas morts. Ah là là, maintenant, moi, je me suis claque, moi. On va recommencer, Michel. Oui, désolé, YouTube. Hein, passe. Bah, je leur mettrai un coup, au pire. Hein. On va s'arrêter plus tôt, vers 5h du mat, et on va observer ce qui se passe. Non, non, bah, je veux pas qu'ils s'en sortent, hein. Moi je veux qu'ils payent pour leur crime, y'a pas d'embrouille. Où est-ce que c'est bien qu'on voit? Bah là, voilà, oui. Probablement ici qu'il faut rester. Cheval, viens là. Bon cheval. Et on va attendre là jusqu'à, on a dit, 5h du mat. Voilà. 5h du mat, ça va l'air d'être bien. C'est là que commence la musique mystère, là. J'imagine que c'est là que ça commence. Voilà. On va attendre là. Ouais, y'a personne qui veut la Michel. J'ai le droit d'être là, je t'emmerde. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Alors, les Michel, où est-ce qu'on est? Pour l'instant, on ne les voit pas. Il y a des gardes. On va attendre, hein, j'en ai rien à foutre. Que Dieu t'accompagne.
Mais bien sûr. En plus, ces cons-là, ils vont faire ça en plein jour, en fait. C'est beau, hein. Alors... C'est moi ici, là, c'est moi, t'inquiète. On attend les deux fripouilles là qui tardent à se montrer. J'ai pas envie d'aller trop en avant parce que ça me fait quitter la zone de mission. Ouais, je veux pas louper une miette. Et s'ils essayent de s'enfuir, hop, schlac, un coup de hallebarde. Moi, j'aide mes frères les gardes. Je collabore, hein, tous les jours. Et quelle heure? 26h. On les voit pas là-bas, hein. Quoique, si, ils sont là-bas, regarde. On les voit, ils sont là-haut, là. Si, on les voit, ils sont là-haut. Ok. On va tenter d'attendre une petite heure de plus. Ah, pas beaucoup, voilà. Stack. Venez ici. Il a de son plein gré. Donnez l'alerte. Par ici. Évidemment. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Vite. Hey, vous tous. Venez ici. Donnez l'alerte. Putain, je me suis encore fait baiser. Et voilà, je l'ai buté. J'avais des grosses chaînes. Je sais pas si ça a fonctionné, mais ça commence à me casser les burnes, donc on va dire que c'est bon. Et l'autre, il est où, l'autre fils de pute? Yeah. Ils l'ont chopé ou pas? Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça? La voix de frites, c'est ça? Voilà, je vais aller le fumer. Hey, vous tous, venez ici. Donnez l'alerte. Hey, il est là, attention. Aux armes. Par ici, vite. Main aux armes. Là-bas. Merde. On va le laisser se fumer, hein. Voilà. Et voilà. Bon, ils sont mourus, je me casse de là. T'as raté Bon, écoute, on va pas se prendre la tête, ils se sont fait fumer. Faut que j'aille voir André. Ah, ils ont réussi leur coup, non. Très bien, bon. Bon, c'est peut-être des bugs d'affichage, j'en sais rien. On va pas se prendre la tête plus que ça. On va aller faire... Il est où, hey, le loup? À quoi vous jouez, bordel? Si vous ne déguerpissez pas rapidement, vous allez vite... Je déguerpis, je pille juste ce qu'il a sur lui. Tac, clé du coffre, clé de love, on prend tout. Hein. Les crochets... Oh là, ça coûte cher, ça, Michel. Voilà. Quoi? Je vous ai dit de dégager et j'étais extrêmement sérieux. Vous auriez dû réfléchir à deux fois avant de faire ce que vous avez fait. Une bonne grosse amende, c'est ce qui va vous tomber dessus. Vous faites une grave erreur. Si seulement vous aviez connaissance du pétrin dans lequel vous venez de vous mettre. Cette histoire va mal finir pour vous. Je pensais...
En fait, je l'ignorais. Vu ce qu'il en est, il va sans dire que vous pouvez repartir. Hé, qui va là ? Je préfère ça, Michel. Putain, comment on se barre, voilà. Hop, bon, on se casse. On va aller voir André. Voilà, ça, on s'est assez amusé avec cette tête de mort. Triste fin pour Mathieu et Fritz. C'est pas la meilleure. La meilleure, c'est clairement qu'on va voler le pognon direct, qu'on fout dans la taverne et qu'on balance tout à Robard. Et qu'on retourne à la taverne. C'est chez lui. Dieu tout puissant, là-bas, un brigand. Oui, ils sont tous les deux morts. Hop, bon, allez, on retourne à la machine et puis on clôture cette chaîne de ces morts. Ils ont voulu faire un truc un peu trop complexe, je pense, pour cette quête-là. Et ça marche pas bien. Même débuggée, elle marche pas bien, celle-là. C'est vraiment un calvaire. Bon, on a réussi quand même. Bon an, mal an, comme on dit. Mais bon, c'était pas un modèle de fluidité, bien sûr. Du tout. Bon, on y arrivait quand même, plus ou moins. Et on va aller voir André pour clôturer l'arc de Mathieu et Fritz. Mais c'est vraiment des ânes battés, les deux, franchement. Les mecs, c'est des bons à rien, ils se font foutre dehors de partout et... Ils refusent toutes les mains tendues. Quand tu veux les aider, le mec s'énerve et t'embrouille. Tu les dépatouilles, tu leur trouves du taf. Ils merdent tout. Et quand ils arrivent au bout du chemin, les mecs, ils se disent quoi ? On va piquer l'argent du seigneur. C'est vraiment... C'est vraiment des génies du crime. Mec, t'es déjà pas capable de bosser dans un moulin et tu veux aller braquer une garnison, une carrière et le seigneur du fief, eh ben Michel. Bon, il est où André de ses morts là? Il est là-dedans. Il est là. J'espère pouvoir vous dispenser mes humbles services. Le mal est fait. Est-ce qu'il... Oui, les deux. Je suis désolé. Je sais que je peux parfois être un salaud sans pitié, mais je ne voulais pas que ça finisse ainsi. Sache que ma porte est grande ouverte, Al. Tu n'auras rien à débourser pour la nourriture ni l'hébergement. Mais fais attention, on devrait faire profil bas pendant quelque temps. Dieu vous accompagne. Et voilà. Par de potence, c'est fait. Et voilà, Michel, bon, on a fait toutes les quêtes du jeu. Bon, celle-là, non, évidemment, puisque ils sont morts. Et voilà. Bon, bah, après cet épisode d'une heure et quart de ces morts, ça a été laborieux, mais je voulais absolument la faire, cette quête, avant d'aller m'embrouiller avec... oui, t'as raison. Avant d'aller m'embrouiller avec la quête principale, on se retrouve donc au prochain épisode et on s'avancera là où il faut. Et voilà. Allez, salut YouTube.